YouTube, bonjour, on se dépêche, on part, on était sur Life is Strange, on est dans la boutique de Steph, il est l'heure de pécho, voilà, c'est parti. Allez, hein, mes intros de plus en plus travaillées du côté de YouTube. He was a disgraced colleague. For real? Je suis in love. In love. In love. Alors, c'est parti. It was really hard to beat him. Whoa, whoa, whoa. He kept turning invisible. So what did you do? I quickly threw mud on his feet so that he left footprints. Very clever. Pourquoi la peur? When Alex said I'm hot, did she mean it? Or was she just messing around? Never seen Steph feel this way before. Maybe I could reassure her. Oui! She's always so confident. Oui! Oui! Elle stresse le chat. Vous savez, c'est ce petit moment-là, quand t'as un crush et que tu sais pas trop si la personne elle déconne, si c'est de la vraie drague, si c'est... Et dans ta tête, ça se passe à 1000 à l'heure, là? T'inquiète pas, hein. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, moi. I'd like to try one of those bard instruments, please. You'll need to schedule a private appointment. Mais j'ai l'impression que tout est un sous-entendu, mademoiselle. On va se le faire, ce date, hein. Hein? Oh, hey. Sounds silver. Du sol argent, il faut, pour le forgeron, d'accord. Bah, c'est super, au moins on a l'info. On pourra lui donner, il est juste devant la boutique. Pub. Man, my dating life could have used a truth spell or two. Pas besoin de quelque sorte de vérité dans ma vie. Comment? Pas de mariage à l'horizon, rendez-vous le dimanche soir à la pivoleuse. Raconterez d'autres aspirants et aspirantes au mariage dans un lieu soumis au sort de vérité. Potion d'amour strictement interdite. Admission une pièce d'or. Je ne quitte pas ce stream sans un date, c'est fou! As a classically trained bard, I gotta say, this music's not bad. Aïe aïe aïe. Franchement, c'est si beau. Forging the sky sort of power. Oh yeah? One day, Thaynor's gonna find it. Oui oui oui. Hein. That actually looks legit. Golems, animation fee not included. Putain, mais elle s'est tellement donnée sur la boutique là. Protocole de sécurité. Ont des exercices pour ça, c'est quoi? En cas d'attaque de monstre, réunissez les gens qui comptent pour vous. Invoquez un cercle de protection, créez une illusion dans la direction opposée. Attendez qu'un archimage vienne à votre secours, sans garantie. Santé est à l'usage, évidemment. Allez, on continue. On peut acheter des sorts du coup? Spells. Cool. Very cute, Steph. Mais c'est trop mignon. Oh. To members of the Sorcery Guild only. Sorry. Ah, le tarot. Alors. Seeking insight, draw a card. Allez, jouons le jeu, vas-y. Par curiosité. What do I want insight about? Qu'est-ce que je veux savoir? Personne, hein? Steph, hein? Steph is just awesome. J'ai tiré The Fool. C'est quoi The Fool? Le fou, évidemment, symbolise la spontanéité, l'intrépidité et l'attrait pour l'aventure. La meilleure qualité, finalement. My power. You were right, Gabe. I'm a superhero. Le chariot symbolise la détermination, la concentration et le façonnage de sa propre destinée. Wow. Ok. Non, mais en vrai, il y a que ça qui m'intéresse. I really hope this is true. J'espère simplement que c'est vrai. Symbolise le triomphe, les défis intérieurs et pas par la compassion. Bah oui. On va quand même faire Ryan. Allez, on fait Ryan quand même. Juste pour is vous. That true for Ryan? I hope so. L'étoile symbolise l'inspiration, l'optimiste et l'espoir en l'avenir. Ah, c'est sûr que pour le coup, Ryan, il est positif. C'est beau. C'est bien. J'ai pas envie de tirer les cartes négatives. Warning. Chose. Do not pet. Maudite, ne pas caresser, évidemment, évidemment. Ouais, ouais, bah on l'a vu, hein, qu'elle était pas très gentille, hein. I guess some heroes are into bards. Certains héros préfèrent les bards avec des guitares clinquantes, mais je suis contente que t'aies dans la mélodie. L'instrument de Fleet Silvertongue, barde des champions et sauveur du prince Caladin hier. Ok. Ok, pardon. Oh, la gamelle du chat. It's a wonder Valkyrie's ever hungry. But with all the human flesh, I mon assume she consumes. Il y avait un souvenir sur la gamelle, par contre.
Dude, I hear you, but a combat-based system with no social mechanics is like my fucking nightmare. Are you... Hey, Precious. Aww. Where did you come from? Et puis elle aime les chats et elle sauve les chats qui sont dans la rue. Comment ne pas craquer? There's a cat outside the shop. Oh. Dude, I don't know. She doesn't have a collar. Yeah. Okay. I'll call Pike, see if anybody's reported their cat missing. Alors. Meantime. Regardons déjà. I bet we're supposed to buy something here. Ok, ok. Vas-y, on va lui parler. On va voir un peu ce qu'elle vend. Elle est toujours en stress sur ce que je lui ai dit là. When Alex said I'm hot. Elle est trop mignonne, elle est anxieuse. Et en plus, tu sais que j'ai des pouvoirs maintenant. Est-ce que tu fais pas exprès de penser ça? Je pense qu'elle fait exprès de penser ça pour que je sache qu'elle pense ça, pour que moi je fasse un pas, pour qu'elle sache que j'ai fait un pas parce qu'elle pense ça, alors que moi je pensais ça d'abord, mais en fait elle le pensait, et du coup ça va mener à ce que nous le pensons. C'est sûr. C'est sûr, c'est ça. Je sais sûr. Oh là! Oh là là! Ah putain, j'en peux plus. Allez, ça suffit. Parlons-lui. The streets used to be full of people. Ah. The streets used to be full of people. Ok, d'accord. En plus, elle fait bien le PNJ. Bah, faire des achats du coup, hein. The Soul Sapphire's right there. Ah mais oui, mais c'est ça qu'il veut, moi. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Attends, je veux tout voir. Ça, c'est quoi? Agilité. Ok, vos alliés vous esquiveraient la prochaine attaque. Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal. Ça coûte combien? Ça coûte des sous. I am the only Regardez. Very friendly troll. Un troll très amical, j'aimerais bien voir ça. Now that I'd like to see. N'importe quelle classe, les trolls empoussiérés deviennent très amicaux. Une pensée par troll. 3 pièces d'or, ouais, super. Moi, de toute façon, il me faut ça. How much money do we have? On a 4 pièces, frérot, on est pauvres. 10 000 pièces! Obviously, there's some other way to get this. Ok, il faut qu'on négocie. Négocions. Why is this 10,000 gold? Was I too generous? It was originally 20,000, but... No, non. Never mind. Maybe we can make some kind of deal with her. Ouais, ouais, hein. On pourrait faire ça? Marchander? Marchandons. Qu'est-ce qu'on peut marchander? Would you consider giving us that sapphire? 4 pièces d'or. Gratuitement? Une pièce d'or? Maman. C'est notre moment, le chat! C'est notre moment! Oui! Attendez. Je stresse. J'ai le cœur qui bat. Non mais parce que là, si on s'apprête à faire une déclaration, là, il faut être prêt, hein. Il faut être prêt parce que souvent en tête tu sais déjà ce que tu veux dire à la personne et quand tu sors les mots ça ressemble plus à rien. Donc on prend le temps de respirer. Voilà hein, la main, hein. Bah oui hein, on veut la pécho, on est d'accord hein. Bah oui hein, bah oui hein. Allez. Allez, c'est parti. S'il te plaît, me mets pas. Me fais pas mal, me brise pas le cœur. My hand. In marriage. And all of its associated benefits. Oh. And you should know. Regarde, elle est déstabilisée. I wouldn't offer if I didn't mean it. I mean. What? Oh man. This just got real. I'd be lying if I said I wasn't intrigued. But I'm afraid I can't accept. For now. We need the sapphire right away. It's for a quest to end the age of monsters. Est-ce qu'on peut revenir à la vie réelle, s'il vous plaît? I've heard. There's a magical fish that lives in the River of Sorrows. Elle a dit pour l'instant. Bring me back one of its scales, and I'll give you the sapphire in return. Side quest. Yeah. Ouais, mais est-ce qu'on peut revenir sur
Bon après, ouais, le problème c'est que, ouais, hein. So there's definitely a troll at the Eastern Bridge. C'est vrai que si on achète ça, on pourra peut-être niquer le troll, non? Probably. On devrait acheter ça peut-être, hein. 3 gold, please. Je pense, hein. Pour l'instant, elle a dit pour l'instant. Ah, nouveau dialogue débloqué, cool. Avec qui? Avec elle? I hope we meet again. Oh, elle est heureuse! Elle est heureuse, le chat! Votre devoir est accompli. Je vais écouter ses pensées, évidemment, parce que je suis intrusif. I do. Let's go! When Ethan's not around. Oh! Pardon, je suis trop impliquée. Je suis beaucoup trop impliquée dans ma vie. J'en ai conscience. Je respire. J'adore les histoires d'amour. I'm in love. Je reviendrai quérir ton cœur. Je reviendrai. Oh! Pardon, je crie. Pardon. Let's go! Regardez-moi ce smile qu'elle a. Elle est in love. On est en train de la faire tomber sous notre charme. Oh, ce clin d'œil, Alex. Là, il est... là, tu me fais plaisir. Là, tu es pépite, Alex. Pépite! Je suis trop impliquée, vous pensez? Vous pouvez me le dire. J'ai l'impression de me battre moi-même. Bon, on te laisse, Ryan, Yohan. T'inquiète. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, il finit quand ce GN là? Moi, j'ai rencard. C'est vraiment mon objectif principal du jeu. Alors que vraiment, tout. Qu'est-ce que je fais? J'ai recliqué? Elle me manquait déjà. Oh, Steph, on te voit vraiment pas assez, je te jure. J'ai été comme attirée tel un aimant. plus impliquée, y a pas, c'est vrai. Mais c'est le problème des jeux vidéo, c'est que j'ai tendance à toujours vivre ma vie. Quand je suis dans un jeu d'horreur, j'ai peur sa mère. Quand je suis dans des jeux comme ça qui te font vibrer en termes d'émotion, je pleure, je suis triste, je tombe amoureuse, je suis en colère, ils me font tout ressentir, ces jeux. C'est pour ça que ça fait partie de mes jeux favoris, les Life is Strange, parce que c'est juste des bains d'émotions, c'est genre waouh. Ah oui, c'est vrai qu'on a la recette pour le forgeron. L'émission même de la hype. Hey, we found the components of Sun Silver. Même comme si c'était moi dedans, genre, mais c'est génial. Y a rien de mieux. Du coup, on a eu ça. Merci. Oui, vous allez regagner un tour supplémentaire. J'ai gagné beaucoup de parchemins alors que je me suis pas beaucoup battue. Ouais, hein. J'avoue. Yep. Alors bon, on va aller. Homme chauve, non mais y a aucun respect par contre. Vraiment le descriptif. Homme chauve. Il est là. C'est un homme. Et il est chauve. Y a pas de respect le jeu là, y a pas de respect. One, two, three. Oh là là. I control me. One, two, three. Ah, problème de colère, je comprends. I control me. Non mais c'est terrible, hein. Non, j'ai sorti, mais c'est bon, il est à nous, putain de ouf. Je crois qu'elle craque pour nous, là. Genre, c'est notre moment, là. Une raison de la malencontreuse surabondance de meuse, l'apothicaire sera servie à... Ah non, mais non. Mais, oh. Disappointed. I thought I would finally get to go in. Ah bah tu m'étonnes qu'elle rentre pas dans le truc. Yeah. Shh, they're here. Woe is me. Woe is me. Oh. Behold, my love has been slain by yonder river monster. Oh non. Prisp est parti à longtemps. Just down the. Oh, me chauffe en colère. Yonder. Alley. J'adore pas. Near the river. Alas, alas. Alas. Oh, oh. Putain, ça me fait penser à au théâtre. Oh, putain, quelle déclaration aussi, la Life is Strange really Before the Storm, là. Mama, celle-là aussi. Oh, je suis instantanément amoureuse. Instantanément. River monster. Je crois que je suis trop sensible. Je crois fleur de peau. Oh, bordel, les monstres de la rivière, c'est maintenant.
C'est quoi ça? Putain, mais c'est encore Aya. Mais quel con. Some kind of snake. I guess. Bon appétit, Lums. Mais du coup, j'ai la clochette. J'ai la clochette pour le faire dormir, je crois. Non? Do we have to fight it? Oh, il est mignon. Why wouldn't we? Il est devant la boîte, hein. Il est mignon, non, on dira pas, il est mignon. Hein. Il est mignon, mais voilà. Hein. Il n'en faut pas la paix. Après, il est mignon en tant que serpent. Voilà. I mean, it's kind of cute, isn't it? Oula, merde. What are you talking about? Je voulais dire en tant que serpent, Ryan. Ryan, t'es comme un frère pour moi. T'es comme un... cloche, voilà. Tiens, prends la cloche, Ryan. Je voulais dire, il est mignon, il est chou, il est baby cute, quoi. Pardon, pardon, je vous jure, je voulais dire genre il est mignon, mais il est mignon comme un chaton, quoi. Il est pas mignon comme Steph. Il est mignon, il est pas mignon. Il est mignon, pas mignon. Vous sentez la différence un peu? Ça va pas, hein. Ça va de moins en moins. Aïe, 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 aïe. Détends-toi, rien. All right, let's make some ears bleed. Coup dur pour cet homme encore une fois. La différence est si grande. On est d'accord, on l'aime bien au village. Voilà, Ryan, c'est qui? Ah, oh, c'est le mec sympa. Il est gentil. Il est bien brave. Il est drôle. C'est tout. Il est mignon, mais il est pas mignon. Tu vois? Y'a aucun respect. C'est le bro, voilà, c'est le sang. C'est le sang de la... What's that? C'est de pire en pire. En plus je m'explique, pire c'est... Oh, I found the fish scale. Oh là là. Let's go back and trade it for the soul sapphire. C'est comme un frère, voilà. Yeah. Oh le chat, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire là? Oh yeah, on va pouvoir échanger le truc là. That was shit. Perdu une clé USB, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, j'étais aux lanternes. Si vous la trouvez, prévenez-moi, s'il vous plaît, j'offre une récompense. Je la garde si je la trouve dure. J'espère que vous la retrouverez. Quel genre de récompense vous l'avez trouvée? Non, mais il faut que ce soit la réponse penche. Je ferai plus d'efforts pour la trouver. MDR. La flemme des gens finalement. Bon. Il est dans la friend zone. Ah, mais il est full friend. Oh. Il est full friend zone, je suis désolée, hein. Enfin, dans mon cœur en tout cas, il est full friend zone. Chemin d'agilité, en même temps tu peux pas, je suis désolée hein. Après il est mignon hein, il est tout ce que vous voulez hein, c'est un BG et tout. Mais tu peux pas rivaliser avec Steph. You can have the credit. No, I don't care. I'm just saying. Too late. Credit's yours. Il est sympa mais à côté il y a Steph quoi. Personne peut rivaliser, on est d'accord, personne peut rivaliser. Steph, voilà. Elle fait pas trop notre cœur. Okay. Désolée pour, voilà. We handled the river serpent. Thank you, adventurers. Toutes mes condoléances. Hein. But you should probably clean up that body. Kenny se lève. Non mais regardez-les. C'est le goat aussi. Mais oui, mais oui. Moi, si j'étais à la place d'Alex, je saurais vraiment pas qui choisir. C'est vrai? En vrai, après ouais, Ryan, il est quand même vraiment sympa. Il est drôle et tout. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est les gens. Je me rappelle la première fois que j'ai fait le jeu. Les premières interactions qu'on a eues avec Ryan, c'est vraiment ça, et j'étais là en mode... Ouais, il est sympa. Et je savais qu'entre guillemets, il faisait partie des deux romances possibles, et j'étais là en mode... Ouais, mais... Désolé Ryan, ça match pas entre nous. Alors qu'avec Steph, maman... Pourtant, c'est un BG, hein. C'est un BG, il est vachement à l'écoute, il est attentionné et tout, hein. Donc il a toutes les qualités, hein. Mais Steph... Elle a toutes les qualités et plus encore. Parchemin de guérison. Eh, ça se contrôle pas, que voulez-vous? Voilà, hein. L'amour, c'est une étincelle. Voilà. On choisit pas. Parchemin de guérison. Récupération totale de PV pour vos alliés et vous. Retire toutes les altérations d'état négatives. Poison. Étourdissement. Ne peut être utilisé qu'une seule fois. Bah, c'est super, ça. Tu vas avoir tous les parchemins de la map. Hein.
Ah oui, les cailles, c'est vrai, les cailles. J'ai oublié les cailles, hein. J'ai oublié les cailles. aïe. Alors, on est reparti. Mademoiselle, du coup, puisque vous voulez pas prendre ma main, c'est pas grave. Je vais le vivre de manière quand même assez acceptée. C'est une araignée, ça? Non, ça va. Ok. Oh, j'ai eu peur. Oh, putain. Je crois que c'est une peluche sur le mur. Attendez, j'ai un doute. Bougez pas, il y a urgence, là. Il y a un monde où je crie, attention aux oreilles. Fausse alerte, tout va bien. Fausse alerte, ce n'est pas une araignée. On respire, on prend une grande inspiration. C'est vraiment juste... Je sais pas ce que c'est, on dirait une peluche sur le mur. Mais tout va bien. Oh là, on l'a vu dans ton regard. J'ai peur, la mode. C'était là, ça? Attends, non. Non, c'est bon, fausse alerte. Alors, du coup, on est reparti. Parlons. I hope we meet again. Oh, c'était pas une TGNR. Ah non, si ça avait été une TGNR, vous m'auriez vu. Et deux secondes plus tard, vous m'auriez plus vu. J'aurais même pas cut le stream, j'aurais juste fui. Et vous auriez été là, man. Mais you know. Et je serais peut-être revenu chercher mon téléphone, ou je serais passé par le téléphone de Benji pour venir vous prévenir que je ne peux pas. Salut Pinocchio, comment va? Bonsoir, c'est celle qui arrive. Bon alors du coup, achetons ce putain d'objet magique là. Voilà. Eh ouais, on l'a eu, let's go. Et on l'a eu d'une manière easy. On s'est même pas battu avec. On l'a goumé. One magic fish scale. Ouais. Impressive. Well, then here's my end of the bargain. Aïe. Du coup, c'est ok pour Maria. J'avoue. One more jewel left. Getting there. Alors, c'est tout? De toute façon, on a plus de sous, je crois. Hein. Si? Attends. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre? Là, j'ai dit. Ah, c'est une pièce à chaque fois? Il me reste une gold, non? Avantage guérison, ça peut être pas mal. Vas-y, on va prendre le guérison. We have some scrolls of healing already. Ah, on en a déjà? Yeah. But you can never have enough healing. We've already got some of these. Ah, on a déjà? Right? We've already got some of these. On a déjà tout. Bon bah salut hein. On peut parler? I hope we meet again. Ouais, t'inquiète. On se reverra un jour. Aïe, une pensée pour Ryan. Hein. Mais non, mais on l'aime bien. Aïe. Fausse alerte, je répète, fausse alerte. Ça aurait été dramatique si ça avait été dans la liste, ça aurait été terrible. On aurait... Ça aurait été la fuite, hein, la fin du stream finalement. Salut à tous, merci d'avoir été là. Adieu. Je brûle ma maison. On va où maintenant? On va là-bas? I wonder how Riley's doing with the USA. Ah oui, Riley, je devais passer la voir, c'est vrai ça. Ah, bah du coup elle est contente elle. Mind if I duck in here a second? Ah. Histoire de barde. I have to renew my bard guild membership. Salut Willow. Yeah. Bonjour à celle qui arrive, j'espère que vous allez bien. Okay. Oh, tu vas pas m'en vouloir parce que j'arrête de jouer pendant 2 minutes, hein. J'ai un truc important à savoir. Je veux savoir qui est responsable de la mort de mon frère accessoirement. Pardon, excusez-moi, monsieur. Vraiment trop énervée, je suis trop énervée. Hein. Aïe. Pas de conneries en attendant, toi, j'avoue. Vite aller au-delà d'un... Non, c'est bon. Je vois des choses partout maintenant, mais c'est ok. Aïe. Oh. Quand même vachement silencieux, non? Hey there.
D'accord. I could ask Riley how progress is going with the USB. Alors, je veux savoir qui est responsable de la mort de mon frère, à part toi, évidemment. Les pires, vous êtes pires que moi, vraiment. Bon alors, ça avance avec les... Il passe... Je trouvais que c'était vachement silencieux. Non, c'est normal que ce soit silencieux comme ça. Après, tu me dirais, il n'y a pas forcément de musique dans un magasin de fleurs, mais... Ah. What a piece of shit. Hey Riley, je t'ai acheté un petit cadeau de départ, ça vient de cette chocolaterie où on est allé l'an dernier pour notre anniversaire. Je n'arrive pas à dormir ces temps-ci, j'arrête pas de penser à toi, faisons la fête toute seule. Je te fais confiance bien sûr, mais il va y avoir plein de mecs là-bas et ça me rend nerveux. Oh, j'aimerais que tu réfléchisses un peu, appelle-moi si jamais tu veux parler Mac. Oh non mais lui il a vraiment un problème de possessivité hein. Hey, c'est ta meuf, c'est pas... Enfin c'était. Bah oui. Hein. Salut Tenjiro, merci pour ton follow, bienvenue. For Spring Festival, these are freaking gorgeous. Nanana. This is just... So nice. Eleanor, Raven Spring, payé contre chèque, $500 Western Wayne, nanana, cadeau. Cher Riley, il te faudra un nouvel ordinateur pour ta nouvelle école. Si t'as ce suivi pas, dis-le moi, je te ferai un autre chèque. Je suis tellement fière de toi, je t'aime. Oh, elle est trop chou, Eleanor. Riley's like 300 pages in. Must be a good book. Ok. I... Gros problème de jalousie. Ah ouais, non mais ça va pas, hein. À un moment donné, faut se faire soigner, hein. Les gens t'appartiennent pas, il faut qu'ils se détendent, lui. Il faut qu'il se détende de le huc. Je sais plus qu'il y a un mois à peine, j'ai l'impression que c'était il y a des années. Ah, j'avoue. Like c'est allé si vite en même temps. Bon Riley, can we talk about the key USB, pour favor, évidemment. No, not yet. It's gonna take hours if we're lucky. Oh. Ah. Bon bah je suis venu pour rien. Check it out, it's running on the office computer. Don't touch anything. Non, 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 j'ai vu déjà, y'a pas de problème, hein. Thank you so much for doing this. You don't have to thank me. It's the least I could do for Gabe. Bon, elle est gentille. Après, c'est vrai que Gabe, il l'a aidé pour son... ses entretiens et tout, là, pour la fac, ou je sais pas quoi. You were so good with computers. Is that what you're going to school for? Ouais, voilà. Pour, Civil engineering. Or wow. Maybe robotics? It's tu vas faire des dingueries, Riley. Let's go. Kind of crazy. Anyway. Let's talk about something else. Oh là là, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de parler d'Eleanor ni de Mac. Hein. Ni l'un et l'autre me paraît pas très cool, mais bon, pourquoi pas. Lurking improvisé, ciao, ciao, Willio. Merci beaucoup de... pour la lurk. Et passe une bonne soirée. I saw Eleanor at the Black Lantern this morning. She probably needed a break from me. Ouais. I've been nagging her all morning about getting one of those, like, medical alert buttons. Oh man. Totalement crush sur Riley. Four hours away and she's never lived alone before. Elle est chou en vrai. Puis elle est franchement gentille. Allez. How's Mac doing? Et Mac? I haven't seen him in a while. En plus elle est célibataire depuis peu, patate. Alors vas-y, fonce. Oh, he's around. Probably too embarrassed to show his face. Elle mérite mieux que cette espèce de connard là. He gives me shit every time I see him. Yeah, yeah, I can't get out of this town fast enough. Mm. Stay strong. Tu m'étonnes. Bah écoute, à plus tard, hein, du coup, c'était sympa. I'll let you know if I make any progress. Pas servi à grand chose, mais y a pas de soucis, hein. Écoutez, non, mais voilà. On va retourner au GN, hein. Voilà, hein. Ciao, hein. Allez, on y va. Niu, 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 niu. Si le gosse est plus là, je pète un plomb. Je démissionne. Voilà, c'est bien. I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Allez, viens. I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Oui, bah on y va, on y va. On sait qu'il y aura sûrement un gros troll. Ils nous l'ont dit plein de fois, là. C'est parti. C'est parti. Ça marche, patate, ça marche. Un gros gros. Encore Ryan. Oh, shit. Mais putain. Incoming. He's got a soul jewel right non. There. Il nous le faut. Oh, you like my belt? It's made of human skin. Ah. Bah ouais, mais on a de la poudre. On a la poussière. Tiens. Troll dust.
dusted trolls become very friendly. Let's go! Tu vas être notre pote là. No, no. Don't you dare. Oh non, la chemise, Ril. Ah. Visitors. Let's go! Bah voilà, hein. On évite tous les fights du game finalement. Cool. A glass of marsh water. Slug chips. How about that jewel? On your belt. Ouais, allez, donne-le. Sure. Sure. Bah oui, hein. Vas-y, gars, cette poule. Eh, bien efficace, hein. Anything else? Dis-nous quelque chose de gentil. Aide-nous dans notre quête, on a tout ce qu'il faut. Aide-nous en vrai. On peut pas le prendre avec nous là. Anything you can do to help us out? Ça doit être utile des muscles de d'orc là. I could teach you to fight like me. Ah bah voilà, c'est bien ça. Here you go. On prend, merci. C'est quoi? Class Warrior. Acquérir une nouvelle compétence. Frappe furieuse, 3 points de dégâts. Bah voilà, une fois par combat uniquement. Bah let's go. Hein. That was quick. Allez. Allez, on y va. I think that's all we need, j'ai peur que si je lui dis-nous quelque chose de gentil, il pense que je crush. Come visit again. Faut pas qu'il se passe des films, c'est pas gentil. Alors qu'on pense à Diane, qui attend toujours son rencard avec... avec Steph, qu'elle n'aura jamais. I admit it. On a eu tout là to admit. On a tous les diamants. It's just facts. Allez hein. Even after you used the dust, he was still scary. Rip et Diane, hein. Oh, ça va. T'en remettra. Et elle nous cache des trucs, elle aussi, hein. Donc bon, hein. Il fallait... Elle nous a pas laissé le tout, là, si elle nous avait dit les choses, simplement. Voilà. On lui aurait pas potentiellement brisé le cœur. Oh, briser le cœur, ça va. Disons que, voilà. Oh, bah tiens. Donc Steph lui a fait un peu de rentre dedans et finalement, voilà, c'est moi qui vais la pécho, mais ça c'est pas grave, c'est un détail, voilà, petit détail. Allez, on est parti, j'ai tous les parchemins de l'univers. Hein. Oh! Elle est venue la maman. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh my god, ah. It's my mom. Feanor. The monster slayer. Oh, you've come at last. C'est chaud. Do you remember me from your past adventures? You're Netheria, the forest spirit. You have done well on your quest. The forest notices. She offers a treasure for you to claim. En fait, c'est évident pour elle non plus, hein. There. What is that? The sky sword. It's the sky sword of power. Oh! It's exactly the same as I drew in the comics. Oh, let's go. It's got the pincer. Elle lui a fait la l'épée. And the same grip. Oui, elle sculpte sa mère. Oh, c'est trop bien. For the jewels. Oh, c'est trop chou en vrai. Non, c'est trop mignon. How do they do it? Oh. Can I really take it? Bah... Non, elle est pas moi. Notarial a bien vu. Of course. Netheria c'est trop so, chaud ce qu'ils ont fait pour lui. C'est trop mignon. Ok. Je commence à m'attacher à lui, c'est terrible. Démon. Faut que je me rappelle qu'il est potentiellement responsable de la mort de mon frère. Voilà, ça va mieux. Allez, dépêche-toi l'enfant, là. on aime bien, c'est du second degré évidemment. Je précise, on va finir par me penser démoniaque. Voilà! Oh! Oula! OMG! Oh bordel, j'avais oublié, c'est si beau. Oh mais ce jeu est tellement bien. C'est insane. Oh c'est insane.
Waouh, waouh. Incroyable. Vas-y, mets les joyaux là. Let's go. Tellement classe. Bard, a song if you please. OK. Prophétie accomplie. Prophétie accomplie. The prophecies fulfilled at last. Now Thanos might is unsurpassed. J'adore. L'univers est fou. Oh oh. Ah. Ça me donne envie de jouer à Game of Thrones. Allez ! Qui c'est ? Qui ça c'est ? Waouh ! Oh ! Bah alors ? I'll take that sword now, and the jewels. No, Stormrider, the undead. Oh! I should have known King Tabor was you all along. You fools! Il était le roi, quel bâtard. You have collected the jewels I need and brought them right to me. Il nous a utilisé. On va le bouillave. Provoquer. Vas-y, encourage Ténor. Non, on va le laisser s'amuser quand même, Bichette. We've gotten this far. Ouais. We can beat him. Vas-y, on peut le faire. Give them to me! Let's go! J'adore. Fais des éclairs avec ses mains, s'il vous plaît. Oh là là! Le fight! Allez, hein! Oh! Putain! J'ai une interface et tout, le chat, j'ai envie de pleurer! Ok, vas-y, objet. Je dois faire entrer? Ah putain, je dois faire entrer! Ok, ok. Parchemin davantage. Scroll of advantage. Comme ça, on aura un tour en plus. Let's go! Comme ça, on le bouillave d'entrée, là. On le bouillave d'entrée. Maintenant... C'est encore mon tour. Ok, vas-y, Halloween. Attaque. Attaque. Odieuse dissonance. Horrid disharmony. Voilà! C'est juste tellement insane. Vas-y, Taynor, c'est ton tour. Attaque, du coup... Frappe furieux, c'est qu'une seule fois par tour. Faut que je le fasse maintenant avant qu'il ait le temps de se mettre une défense. Vas-y! Voilà! Ok, ok, ok. Ah, c'est encore à moi du coup. Ok. Avantage encore? Je pourrais faire que des avantages et vraiment le griller, mais. Scroll of healing. Voilà, soignons-nous un peu, parce qu'on a mal un peu. Comme ça, on sera full dans nos PV. Et maintenant. Re-attaque magie, souffle de feu! Fire blast! Fuego! Voilà! Sorry. Alors? Worth it. Ah oui, 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 c'est vrai que j'ai pris un PV du coup quand il fait ça, d'accord. C'est encore à moi? Il joue jamais en fait, c'est génial. Ah si, ça y est, c'est Halloween, c'est à moi. Magie. Non, non, vas-y, on va refaire une attaque. Accordez, accordez, c'est parti! Oh, oh, ça va être à son tour. No, Taynor! Ok, je reprends un parchemin d'avantage. Je vais te dégommer, Michel. T'auras même pas le temps de jouer, en fait, frère. Je t'ai même pas te laissé le temps de jouer! Je vais t'éclater le cul-cul! Look at that! Magie. Imnéloquence! Voilà! Comme ça, il fera plus de dégâts, je crois. C'est ça, un truc comme ça? On va dire que c'est ça. Lame incandescente! Voilà! Let's go! Je vais le dégommer, sa mère! Vas-y, encore, 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 poignarde-le maintenant. Voilà! À moi? À moi, magie, non, attaque, accordez, accordez, vas-y. Ça fait mal, hein? Oh oh. Electric cage! Non! Il a pas l'air très gentil, ça a pas l'air cool. Hein. Ah, il brûle, il brûle! Ok, je sais pas ce que j'ai autour de moi, mais ça a pas l'air cool. Je propose un parchemin d'agilité. Je sais pas quoi ça sert, mais on va en mettre un. Voilà. Voilà. Et maintenant, vas-y, attaque, Ténor. Lame incandescente, c'est reparti, le feu! Again! Voilà. Hero Willow.
Unholy lightning storm. Ah mais non, mais ça m'a bloqué mon tour à moi. Death to all who defy me. Ouf. No. Ah. On s'est protégé. Ah oui, on s'est protégé. Je crois que c'est ça, on a bien géré là, on a bien géré. Ok, ok, ok. Champ de distorsion. Vas-y, vas-y, Taynor, let's go. Hein. Attends, attends, retour. On va l'achever. Est-ce qu'il me reste un parchemin davantage? Vas-y, on l'achève maintenant. Ce tour-là, on va le prendre et on va le dégommer. Attaque. Poignarde. Vas-y. D'accord, moi? Ah non, c'est à lui? Ah merde, j'ai mal calculé mon coup. Bon, c'est pas grave. Le tour d'après? Oh oh. Si, si, c'est bon! Si, c'est bon! Oh, let's go! C'était insane! We did it! I can't believe what just happened! C'était énorme! Énorme, énorme! Incroyable! That was epic! Wow. Yeah, but the best part was finding... Oh non. Oh non. Shit. Gabe's dead. Gabe's dead because of me. It's my fault. Oh non, mais on était dans une super ambiance. I killed Gabe. Oh non, I killed Gabe. Ethan. Listen to me. It wasn't your fault. At all. It wasn't. Pardon, pardon. Okay. Faut que je dédramatise, sinon je chiale, alors... It wasn't. Je fais de l'humour. Mais on était si heureux, la merde! C'est moi qui s'est fait penser à la sirène de la tempête, genre. Oh, ça fait longtemps. Ouais, c'est des... après c'est des sirènes d'alarme, je pense... Mais wow, il y a peut-être un clin d'œil, ouais, je sais pas. Oh, yo, 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 yo. C'est dur, hein. Bichette. Ouais. Oh. Waouh. Waouh. Merci, SLV Shadows, pour ton follow, bienvenue. Bienvenue à toi. Comment on va? Hey. Thanks for coming. Of course. Oh, je vais pas pleurer. Oh, c'était dur, là. Ethan's dad already pick him up? Yeah, they just left. I just wanted to thank you. Ethan needed today. On aurait bien aimé l'aider plus, mais voilà. Hein. J'ai dire l'aimer plus. Après, il a tué notre frère. Non, mais je plaisante, je plaisante. Non, en vrai, Bichette, il fait de la peine. Et t'imagines la culpabilité ressentie, genre vraiment. Non, mais posons-nous sérieusement 2 minutes. T'imagines, à cause d'une de tes conneries, t'es responsable de la mort de quelqu'un. Qui est une connerie aussi basique que juste ne pas obéir à tes parents et aller quelque part alors qu'on t'a dit de pas y aller, tu vois. Que ça ait des conséquences dramatiques. Ça doit être déjà super difficile à vivre quand une de tes décisions mène à un choix compliqué qui a de l'impact sur toi et qui est négatif. Le gérer et pouvoir se pardonner d'avoir pris cette mauvaise décision et que ça t'ait impacté, ok. Mais là, le fait que ta décision, elle ait impacté la vie de quelqu'un d'autre à ce point et la vie de tous les autres gens autour qui étaient liés à cette personne, mais c'est... Waouh, le trauma de ta vie, genre c'est... On en rigole, hein, je fais beaucoup de second degré sur Ethan et tout, mais il est bien évident que sérieusement, pour faire le point, il n'est pas responsable. C'est la faute à pas de chance. C'est la vie qui, des fois, est vraiment injuste sur certains trucs. Mais... Et c'est vraiment l'effet papillon. Ça. Une action mène à des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et c'est super dur. Après, va vivre avec un truc pareil, tu vois. Et puis c'est un gosse, quoi. Donc bon. C'est compliqué, en vrai je rigole beaucoup, je me moque un peu, mais c'est évidemment de l'humour, hein, bien sûr, mais je pense pas à une seconde qu'il est responsable, mais je pense que c'est des situations de vie où ça doit être super difficile de passer outre, quoi. Salut Mathéo, comment va?
Contente d'avoir pu aider. Ou moi aussi, ouais, c'est bien moi. Honestly, ouais, c'était trop bien en vrai. I was having just as much fun as he was. Le GN, c'était très cool. He thinks the world of you, you know. After everything, I think you're sort of a hero. He's sort of mine. How creative he is. You must be so proud of him. He was so thrilled to see you show up with the sword. I think that was mostly about the sword. No, mais maybe. Non, c'est sa mère. But I think he was happy to see you in his world. Bah ouais. Ça a pas l'air facile, hein? Sorry, I'm sorry. I'm okay. Charlotte? God, bien, hein? Alex, don't mind me, okay? Just a lot going on. Ok. Oh là, le tu veux. Non, elle a dit. Non, elle a. Si je repose une question. Il y a beaucoup de choses à gérer. Imagine. On se casse. Getting Ethan ready for his dad, the shop, the spring festival. Non, on a dit qu'on n'était pas disponible pour parler. Là. Elle a dit qu'elle nous a dit de nous en aller. You're really sweet, but I'm okay. Faut aussi savoir laisser les gens seuls quand ils ont besoin d'être seuls. See you at the festival. Non, mais je veux pas lui dire, t'es sûr? Vraiment, tu es sûr que ça va? Charlotte, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas l'air d'aller bien? Mais Nick, laissez-la, elle est pas bien, c'est normal, son mec, il est mort. Genre, enfin, logique qu'elle aille pas bien. Arrêtez d'insister. Pourquoi est-ce qu'on m'oblige à insister? Réellement, si j'avais ce choix, mais je me casse, je la laisse. Elle a pas besoin que j'insiste. Je lui ai déjà, j'ai déjà insisté une fois. Non, 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 faut laisser les gens des fois avoir de l'espace. Faut avoir les gens respirer. Voilà. On n'a même pas le choix, non, pour le coup, non. Là, on n'a vraiment pas le choix. T'es sûr? Ou vraiment t'es sûr que ça va? Mais sinon, en vrai, Charlotte, comment tu vas, hein? Comment tu vas, Charlotte? Dis-moi tout. Il faut la laisser tranquille. Il est 20h50, c'est beau. Incroyable, incroyable. Magnifique. Bon, bah, je vais dire... Tu es sûr? Non, je vais dire vraiment, t'es sûr que ça va? Allez, les deux sont horribles de toute façon. Elle va s'énerver, hein, 100%. Ouais. Oh là là. Oh, bordel de merde! C'était sûr, c'était sûr! Bah oui, bah oui. Ah ouais, c'est super intrusif, ouais. Ouais, ouais, ouais. Faut laisser les gens être en colère, des fois, et s'énerver. Non, t'aurais pas dû, non, t'aurais pas dû. Là, pour le coup, c'était vraiment une idée de merde. Mais d'où elle vient cette colère? Mais tu t'imagines, toi, son mec, il est mort, on rappelle, hein? Allô? Ah, de qui? Cher Alex, quel merveilleux événement. Je suis ravie d'avoir pu participer en grandeur nature aujourd'hui. Ça m'a rappelé l'époque où je faisais du théâtre. T'avais déjà dit que j'avais tenu le rôle de Falstaff dans Les Joyeuses Bourgeoises de Windsor au lycée. Avec l'encouragement liquide suffisant, un jour, tu réussiras peut-être à me faire rappeler quelques vers. Et merci de m'avoir... Avec quoi? Avec l'encouragement liquide suffisant. Je l'adore. Je suis une grande fan de Doiki, vraiment. L'encouragement liquide, bien sûr. Et merci de m'avoir inclus dans les festivités. C'est agréable de se changer des idées. Profite de tout premier festival de printemps. Je me souviens encore du mien comme si c'était hier, cordialement. Reginald McAllister. C'était super, Doiki. Bravo à toi. Oh, Steph! Mon héroïne. Merci mille fois, meuf. Tu t'es trop gavée. Tu as l'étoffe d'un bard disque d'or. Merci, tu as été génial aussi, tu sais. Oh, je rougis. Moi aussi, je rougis. Nous rougissons tous, c'est pas grave. On fait tous des airs bêtes quand on est en crochet. Parce que t'essayes d'avoir une tête pas bête, mais on a tous l'air bête un peu quand on est en crochet. Donc genre, quand tu regardes la personne pour la première fois en mode... Rougir, c'est pas tout le monde qui rougit ici. On rougit tous, non? Elle a rougi comme Diane. Ah ouais, non, mais Diane, pour le coup, elle a bien rougi, elle. Bon, bah, elle a pas l'air d'aller bien, hein. Non, mais moi, je pense qu'en vrai, franchement, viens, on se casse, hein. Vraiment, genre, j'ai même pas envie d'analyser. This hurts to even look at. Oh. How much did it hurt to make? Oh non, mais putain, là, on passe à un passage triste, là, encore, là. Arrêtez de jouer avec mes émotions! J'ai envie de chialade! Oh mais c'est atroce, t'as vu la sculpture? This hurts to even look at. How much did it hurt to make? Sur la dynamite des mines. Oh là là, mais what? Oh la signification d'ailleurs, le truc, elle est terrifiante. Hein.
There's almost an innocence about this one. I wonder what it's saying. Celle qui peint son propre tombeau. Je pense qu'elle peint la tombe de Gabe, du coup, j'imagine. C'est wow. Wonder what's inside. C'est un coffre, j'ai envie de l'ouvrir. It looks like Charlotte is really pouring herself into her art. J'ai ma douce de larmes déjà, ouais, là c'est dur. Hein. Bon bah allez, hein. C'est parti. Hein. Oh là là, la colère, on est sûr de vouloir aspirer ça là? C'est vraiment le pire des sentiments. C'est le pire à ressentir, c'est le pire. Elle va bien, on lui a demandé au moins. Je peux plus. On devrait peut-être lui demander si ça va, t'as raison. Je suis pas sûre. Charlotte, ça va? Vous êtes les pires. Quelqu'un a compris? Bah là, on est dans sa tête, là, actuellement. Dans sa tête remplie de colère. Oh putain. Aïe, 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 les bestes, les Michel. Qu'est-ce que je vous aime. Her anger is so intense. Maybe there's something here that can tell me why. Ce monde qui sait... Ah ouais, non mais là c'est dur, hein. Waouh. Non mais celle-là, elle est... Oh, je suis pas sûre de vouloir l'analyser, hein. C'est quoi ça? Alex, it's your fault. Everyone loves you. But I can't look at you without thinking about how fucked everything is since you came into my life. Waouh. Waouh. Ouais, ça pique, hein. Gabe, it's your fault. Why would you teach me to need someone again just to go and leave me all alone? Oh, c'est super bien fait, mais c'est super dur. Hein. Oh putain. La colère est intense, mais super. Y a rien de pire qu'une colère qui dort. Celle que tu refuses de faire. Il faut des fois faire face à la colère et il faut, le truc c'est qu'il faut le faire dans un moment contrôlé et c'est super compliqué. C'est vraiment le sentiment, je pense, qui est le plus compliqué. En tout cas, je sais que personnellement, c'est toujours, ça a toujours été celui qui me faisait plus peur. De toi-même à toi-même en termes de contrôle, tu vois. Parce que éclater en sanglots de tristesse, parce que tu craques, parce que juste t'en peux plus, ça... Ça fait mal, mais tu t'en relèves et entre guillemets, ça peut pas... Techniquement, l'impact que ça aura, même si t'es pas seul, enfin voilà, tu vas peut-être avoir des gens qui vont t'aider, te consoler ou quoi que ce soit, et qui vont du coup peut-être en pâtir un peu de ça, mais ça va les rendre tristes, mais ça reste gérable. Par contre, la colère, si t'es dans une phase de colère et que t'es avec des gens que t'aimes, tu peux dire des choses, tu peux faire des choses, ou même avec des gens que juste que tu croises, ou... C'est vraiment... C'est le sentiment qui est pour moi le plus terrible. She's furious. I should learn what I can. Ah non mais je te comprends, Lou, c'est compliqué. Hein. Salut Watch, courage pour les révisions, merci beaucoup. La colère est dangereuse, ouais. Allez, hein. Ryan, it's your fault. Oh. You were supposed to protect us. Why couldn't you? Pareil, on est humain. Hein. C'est pas évident de savoir se gérer. She's so angry at everyone around her, but there's something else here. Oh putain.
is wrong with me? I can't let myself feel this way. When did I become such a fucking monster? Mais évidemment, évidemment qu'elle a de la colère, évidemment. Ethan, it's your fault. Why couldn't you just fucking listen? You're angry at him. At Ethan. You blame him. Whoa. I'm a bad mom, Alex. Charlotte. Charlotte. I hate my son, Alex. Wow. He's sweet, and he's creative, and he's the most important thing in the entire universe to me. And I hate him. For so long, it was just me and him. It took so long to learn how to be okay with that. And I was. But then... Cape... I can deal with hating Ryan. Or you. Or even Gabe. But Ethan... If he had just listened, Gabe would still be alive. It all comes back to that. Ce que tu ressens compte, ce sont tes actions qui comptent. Ah non, mais c'est dur! Sinon, Steph, dans la boutique, on y retourne pour voir ce qui se passe, histoire de se refaire un capital cœur, tout ça. Ouais, ouais, non, mais. T'imagines? Ah, mais c'est horrible! Tu te rends compte que tu détestes ton propre enfant parce que s'il avait pas fait ça. Oh, les conséquences! Et en même temps, c'est tellement humain! C'est tellement humain! Si je me mets à sa place 2 secondes! Mais évidemment que j'aurais de la colère, mais en même temps. Ah, c'est horrible! Faut laisser le temps faire. De toute façon, il y a que le temps qui guérit tout, mais. C'est-à-dire ce que tu ressens compte, c'est... Tout le monde ressentirait ça, ça fait pas de toi une mauvaise mère, n'importe qui ressentirait ça, c'est exactement ça, Neva. Franchement, ça arrive à n'importe qui réagirait comme ça, n'importe qui serait en colère. Mais ce qu'il faut comprendre avec la colère, c'est qu'on a tendance à la matérialiser sur des choses, sur des gens, sur des... Alors qu'en fait, elle est nous, tu vois, enfin, c'est compliqué, là. C'est vraiment dur, hein. Côté papa, il est tout bouleversé. Oh non, oh non! Oh non, enfin non! Mais c'est terrible de se projeter dans des trucs pareils, en vrai, c'est... Oh, maman! Oh, allez, vite. What you're feeling makes more sense than normal you think. Aussi, t'as le droit d'avoir mal, t'as le droit d'avoir... T'es en deuil, meuf! None of it fucking matters! He's dead! I wish I were too. Non, 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 non. Dis jamais des choses comme ça. Could kill her. And nothing I'm saying is helping. What if I could just take it away? Hein? Par quoi? Si elle dit, hein? Non, non. Non, non, non. Alex! Laisse-lui sa colère, c'est important la colère. I can do it. Non, non, I can take her anger from her. Non, 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 t'as vu déjà ce que ça te fait quand tu récupères un petit peu de colère, quand ça passe par-ci par-là, là? Tu vas exploser et casser la gueule de tout le monde? What would it do to me? And even if I can... C'est une bonne idée. Should I? Oh, ça va être à vous. Oh, c'est à vous! Oh, le chat, faut bien choisir, là, hein. Moi j'ai voté, mais. Mais la colère, c'est.
Elle est en plein deuil et ça fait partie de ça. Ça fait partie, c'est normal la colère. C'est normal. Voilà. Oh putain, merci. Oh merci le chat, merci. Waouh. Parle de voler une émotion quand même, hein. Ça donnerait quoi? C'est ça, ouais. Ça va faire quoi? Elle en a, c'est terrible. La colère, c'est super dur. Et évidemment qu'on veut s'en débarrasser. C'est comme la tristesse. Si tu parles à quelqu'un et que t'es profondément triste et qu'on te dit, t'as juste envie d'arrêter d'être triste. T'as juste arrivé d'arrêter. T'as juste envie qu'on t'enlève cette émotion. Et la colère, c'est pareil. Mais c'est des émotions qui sont utiles, surtout là, dans le cadre du deuil. Ça fait vraiment partie des étapes du process de ça pourrait complètement la changer, genre. Moi, j'aurais bien aimé hein, demander si elle va bien, parce que je suis pas tellement sûre. Le choc, le déni, la colère, la dépression, la tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Les 7 phases. Merci, Feu. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs phases. Et... elles en font partie, quoi. Dans les fans, j'en peux plus, le running gag. Bon, allez, on la laisse tranquille. On la laisse tranquille. Mais non, mais t'as pas à t'excuser. Elle en a besoin de cette colère. Elle en a besoin. Elle va avancer, j'espère. Oh, putain, j'espère qu'elle va pas faire de conneries. En même temps, s'excuser. Non, ne dis rien. Non, c'est bon, on en a assez dit, on en a assez fait, on lui a demandé 50 fois si elle allait bien alors qu'elle nous a viré. Voilà. On dit rien. Ne disons rien, juste partons. On va la laisser avec ses émotions. Voilà, ça arrive à n'importe qui, on est tous humains, hein. Et ce qu'elle a dit là, c'est pas des choses qu'elle pense profondément, c'est... Oh, Steph. Is Typhon run by the Illuminati? That would explain the conspicuously triangle-shaped logo. Boom. Finally cracked it. Hey. Alex. Ah ouais, non, mais c'est compliqué, hein. So, how did things go with Charlotte? Oh bah j'ai besoin d'un verre, hein. Je pense que j'ai besoin d'un verre, hein. J'ai pas pu l'aider, c'était vraiment personnel. Non, c'est pas qu'on a pas pu l'aider, c'est que c'était personnel. YouTube, bro, ouais, on s'est un peu égaré en discussion, mais vous reprenez maintenant, voilà, hein. Et on va continuer, mais c'est ok. Si vous voulez tout voir, YouTube, bah allez direct, hein, finalement, hein. Deux ans sont longues, hein, si je prends trop de place, faut le dire, hein, parce que c'est le début de la fin avec ma présence ici, moi. Vous êtes dingue ou quoi? Chaque Michel a sa place ici, hein. Chaque Michel fait cette commu, vous faites cette belle commu tous ensemble, et merci beaucoup. Merci à vous pour tout. Allez. Alors, c'est vraiment personnel. C'était personnel, hein. Ah, ce qui s'est passé avec Charlotte, ouais, parce que revenons là-dessus, du coup. Parce que, voilà, hein. C'était vraiment personnel, ce qui s'est passé, hein. Oh là là, hein. Oh là là. Ah ouais, ouais, hein. Just between us. Ouais, ouais, il vaut mieux pas en parler, ouais. Of course. Don't apologize. Bientôt 2 ans, Lulu, let's go. So, mais merci à please tous encore. Tell me that the USB stick revealed all of Typhon's secrets. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Not yet, but Alex. What? We found a recording of Gabe's call. I should probably listen to that. Oh merde. Mais Gabe, il est plus là, mais il est là quand même, quoi. Dans nos cœurs, Gabe, hein. Forever. Ah, yeah. I need to know. We're here for attends, you. J'ai un message. Ethan. Salut Alex, c'est Ethan, je suis vraiment désolée, le GN était génial, franchement t'es trop forte. Pas besoin de t'excuser, je me suis beaucoup amusée avec toi, amuse-toi bien avec ton père et prends soin de toi. Oh, c'est très bien ça, hein. c'est très bien. Hein. Steph et une bouteille d'alcool, et un baby-foot et une guitare. Ah, vous le voyez pas le baby-foot parce que je suis devant, mais regardez. Steph, une bouteille d'alcool, un baby-foot, une guitare. De la musique derrière. Mama, quel date? Et non. Y'a qui? Y'a Ryan, il est là. Il est toujours là. I need to know. Il fête mes 2 ans le 3 septembre. Let's go. Il y en a plein qui fêtent leurs 2 ans, c'est fou. Allez, hein, on va écouter. Moment émotion. Comme si on a déjà eu beaucoup d'émotions ce soir. Beaucoup, hein. On lui passera tes bisous, Johan, t'inquiète. Mac, it's me. Fuck off, Jen. Yeah, okay, just listen. I need you to call off the explosion. Ethan's in the blast radius. Shit. He could get killed. What the hell's wrong with you?
He snuck off. We're up here right now trying to find him. Mac, please. All right, I'm on it. We'll halt the blasts. Fuck. You can't imagine the headaches this will create for me. Thanks, Mac. Mm. Whatever. Just doing my job. Putain. Donc le coup de fil a bien eu lieu, il y a bien une... Putain, mais c'est un truc de fou. It's so fucked. You know it's bad when Mac turns out to be the good guy. Ouais, putain, j'avoue. Ouais. You okay? Non, pas vraiment, non. We're taking these fuckers down. Voilà! Voilà! C'est ça qu'on veut, Alex. On va les bouillaves. On va leur faire du mal, hein. This USB stick has what I need. Everything is so. J'ai entendu du remue-ménage au Save the Dragon en allant au festival, tout va bien? Tout va bien, ok. Mais mêle-toi de ton cul, non? Putain, mais c'est fou cette ville où les gens se sont obligés de tout commenter? Ouais, hein. Oh. Ah, lui il est en colère, elle est triste. Mais non, mon bébou, sois pas triste! Il méritait pas de mourir, il nous a quand même offert un appart, une nouvelle vie, une guitare, j'avoue! C'était notre frère aussi. It wasn't worth Gabe's life. Oh, elle est triste. We're going to get them for you, Gabe. Ah, je peux lui parler? So. Santé, how hein. Fucked are we? If we can't work it out ourselves, I could always just Non. Out of Diane. Non? Oh, you really think so? Yeah. You saw me in action, right? Non. Non, Steph, on oublie ce plan de séduction là. Ça va, je t'ai demandé ta main. Je t'ai offert la mienne plutôt. Bref, on s'en fout. Il y a une main qui a été offerte. Ça veut pas rien dire. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? C'est fou, ça. We're gonna get them, okay? Yeah, I know we will. Non, mais elle est folle. Qu'est-ce qu'elle dit? Je veux t'offrir mon cœur, Steph. Tu vas pas aller draguer Diane, même si c'est pour les besoins de l'enquête, ok? Trophée de baby. Gotta find joy in the little things. Right, Gabe. This time, I don't think Gabe would mind his little sister. Gabe's call came in from the sat phone at 8:41 p.m. Okay. I should find the next call and see if that has any information. C'est trop pressé, c'est vrai. J'ai pas de patience. Mais je l'aime. Trouver ce qui s'est passé après l'appel de Gabe à 20h41. Ok, alors attends, 20h41, Gabe, il est où? Oh my god. Ok, 20h41, c'est où cette date-là? Ok, il y a 20h43 là. Donc ça doit être là. QG Typhon. Lena, it's Diane. We have a problem. You're kidding. There's a kid lost in the mountains near the pit. We need to postpone. Ok. Lena? Haven is your site, Diane, and therefore this is your decision. I know I don't need to remind you of the state. Someone could be hurt. Or killed. We've been over this. Anyone up there has disregarded posted notices and accepted full liability. Mais enfin, mais We're talking about a child. I'm just asking for one day. If you postpone tonight's scheduled blast, Rhea put Rhea in jeopardy. Quoi? That puts the whole company in jeopardy. Is that what you want? J'aurais peut-être demandé à Charlotte si elle va bien. Le running gag me fume, j'en veux plus. What the hell is Rhea? C'est quoi Rhea? Pretty damn important. Maybe Diane says more about it in her email. Maybe. Let me see if I can find it. C'est quoi Rhea? Diane, nanana. Archive des mails. Ok. Diane, opération. This is the email Diane mentioned. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est Rhea? Je vous avais prévenu, Lena. Putain, je vous avais prévenu. Rhea s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte, comme vous le vouliez, et maintenant quelqu'un est mort. J'espère que vous avez un plan, je refuse de tomber pour ça. En tout cas, pas toute seule. Réponse. Je comprends que l'accident inévitable et tragique de ce soir vous ait bouleversé. Je choisis donc d'ignorer cette erreur de jugement ponctuelle. Je vous appellerai à la première heure demain pour parler de la suite. Je vous conseille de profiter de cette nuit pour vous calmer. Oh bah, ça, elle a l'air sympa, cette Lena, hein. Damn. Is this what Diane sold her soul for? Chère Diane, à la suite de notre conversation récente, j'ai pris la liberté d'accélérer votre candidature à notre programme de formation à la fonction de cadre. Oh, vous serez inscrite dès que vous aurez maîtrisé la situation à Haven. Oh là 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 là, le pot de vin, Diane, tu acceptes des pots de vin? Je suis outrée. Meilleur running gag à Mille Insane, vraiment. On en parle encore dans une semaine, sinon Charlotte, elle va bien. Aïe aïe aïe. Je n'en peux plus.
Too bad money can't fix all of Typhon's Dommage problems. Que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes. Chère Diane, n'avez-vous pas peur que vous avez des ennuis avec votre camion? J'ai discuté avec les agents concernés pour faire des réparations de freins, mais étant donné l'expansion qui arrive, j'ai décidé de vous en acheter un nouveau. Nous enverrons un camion. Il devrait... Mais on s'en bat les couilles. Pardon. Who would have thought getting away with murder would be so bureaucratic. Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir était une simple histoire de paperasse. Bonjour Diane, je vous écris pour vous informer que nous avons décidé d'une date pour l'inspection de vos deux sites. Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous. Je vous appellerai dans les jours qui viennent pour confirmer les détails. Puits de charbon désactivé, numéro de zone d'inspection. Nous descendrons dans le puits condamné afin de nous assurer que Typhon a pris les précautions nécessaires pour stabiliser le terrain à la suite de l'effondrement et que la production de condamnation de puits a été suivie convenablement. Puits d'uranium actif, zone d'inspection. Ceci est une inspection générale. Veuillez conduire votre opération comme à l'accoutumée. Veuillez agréer l'expression de mes sincères salutations. Jake Asher, inspecteur, bureau des territoires et des ressources du Colorado. Compagne Dex. Seems like a lot is hanging on these inspections. Je tiens à vous féliciter pour votre travail dans le cadre de la campagne d'expansion de Heavenspring. Je viens de recevoir des nouvelles de l'État, c'est officiel, nous avons passé les inspections. C'est une bonne idée de sponsoriser le festival du printemps. Continuez à faire l'excellent travail, nous y sommes presque. Comment ça, nous y sommes presque? À quoi? Damn. Is this what Diane's... Lena, qu'est-ce qu'elle a dit, Lena? Lena. Hello, Diane. Is it safe to assume you've gotten your emotions under control? Ça doit être l'appel du lendemain, du coup. Someone was killed last night because of a decision you made. I think I would be very careful. Aussi, moi, je sens est à la mémoire, franchement incroyable. Faudra probablement me redire la rêve d'ici là. Me or you? Excuse me. Now, of course, we're all committed to helping you make it through this difficult period. We don't want to see anyone be scapegoated over an unavoidable accident, right? Right. Great. Then you. Oh, il la menace de fou, mais c'est qui cette? Just my safety manager, Mac. He got their distress call just before I contacted you. Do you trust him? I think I can convince him to be trustworthy. Good, good. Only one point of contact and you've got him handled. I think we're going to make it through this just fine. Speak to you soon. Okay. I refuse to feel bad for Diane in all this. No, 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 no. H&B Investigations. Bennett speaking. Hi, Bennett. This is Diane Jacobs. Mm-hmm. Lena told me... Yep, been expecting your call. Okay. I'm not sure what the next step is. Just need all the pertinent information on the employee in question. Name, number, address, Mama. We'll handle the rest. I see. Just come by the office. My secretary will take everything down. What the fuck? On a mode Sherlock, là. Got it. J'ai pour développer un spot de présence. I'll come by tomorrow. Looking forward to it. It's so gross that Typhon has people watched. C'est terrible. Typhon Mining, this is Diane. Hello, Diane. My name is Rory Praha. I'm a journalist with the Rocky Mountain Gazette. We'll be printing a story on last night's accident in the paper tomorrow. Would you like to provide a comment? Yes, I would. Last night's accident was tragic and made all the more unfortunate by the fact that it could have been avoided with a simple phone call. A simple phone call. Can you speak more about that? Mais Diane, quelle... always has a safety manager on duty. One quick call from Mr. Chen to our 24-hour emergency line would have alerted us that there were people in the danger zone. Mais and we Diane? Could have reacted accordingly and stopped the blasts. Are other Haven citizens in danger of meeting the same fate as Gabe Chen? Absolutely not. As long as you heed the warning signs, you will be safe. And if you ever do find yourself in an emergency, that's what our emergency line is for. Mais comment tu te regardes en face quand tu balances une connerie pareille? We'll be sure to include your comment. Mais elle dort la nuit, Diane, parce que quand même, hein. Have a nice day. Je veux bien qu'on lui mette la pression, hein. Attention, hein. Mais ça donne envie de vomir, hein. Ouais, ouais, on est d'accord. Diane, it's It's Jason. Hello, Deputy. You have good news for me? I suppose I do. You are officially cleared to continue regular operation. The county no longer considers your pit an active crime scene. Well, that's a huge relief. Now, to be clear, the investigation is still open and active. Typhon hasn't been cleared of anything yet. Sure, I understand. But can we start mining again? Yes. Oui, c'est vrai, elle a dit qu'elle arrive plus à dormir, c'est vrai. Is there anything else? Bah, et heureusement qu'elle n'arrive plus à dormir, t'as vu ce qu'elle a fait? Ils sont tous responsables de la mort de... Typhon Mining. Diane? Oh, hey, Joe. How are you? I'm good. Oh là là, il me faut plus de Roland. So I have a pretty good list of candidates to go over with you. Looks like I've got 40 names. Ouais, ça fait beaucoup de candidats. When can we go over it? Hey, Diane? Can I be candid for a moment? Please. It's just... Well...
We've all been following the news, and I don't know, after that accident, Joe, I just want to be sure there really are positions waiting for these people. There's nothing to worry about. If you have qualified candidates to show me, I have jobs to offer them. Glad to hear it. You free Tuesday afternoon? Around 3? Sure. Great. Looking forward to it. Me too. See you later, Joe. I hope Typhon has a nice severance package. C'est quoi Rhea alors, bordel? This is the email Diane mentioned. So what is Rhea? Qu'est-ce que c'est Rhea? Damn. Is the situation... What a polite way of saying, I control you, situation. You mean that guy you... To bend money can't... Wait. Does this mean someone at Typhon feels actual human emotion? He's talking about it like it's a sure thing. Ouais. Who would have thought getting away with murder would be... The timing of all this is too convenient to be a coincidence. Attends, 30 avril 2019, y'a? 30 avril 2019. Ouais, y'a le bureau. Typhon Mining, this is Diane. This is ACFC. Y'a quoi avant? Is the good pickin' chicken things... Lace Flowers, this is Riley. How can I help you? Hi, Belt Plumbing. How can I help you? Hi, I'm of Typhon Mining. I think we had c'est one of your plumbers cherche, up here last je cherche, week. Hein? Typhon Mining. Give me just one second to check our records. Yes, I have a record of a service call regarding some sewage backup. Yeah, so, I don't think it's fixed. The field report I have says that the issue was diagnosed and solved. Can you describe what you're seeing? I really can't. Look, can you just send someone? I'll have someone out to you later. Téléphone satellite, great. Ça doit être un truc suspect, ça, non? Tu passes pas par un téléphone satellite, non? Mac, it's me. Fuck off, Jen. Non, bah non, ça c'est le mien. I need you to Typhon Mining. This is Brandon. Hello. I'm calling from the Department of Land and Resources to confirm the inspection set for next week. C'est parce que je cherche Diane à acheter le QG pour appeler quelque chose qui s'appelle Rhea. C'est quoi Rhea? And I'm calling to confirm inspections. Yes. Did you have a chance to look over the email I sent? I did. Everything looks great. Glad to hear it. I'll see you Thursday then. Have a good one. You too. There must be a lot riding on these inspections. Rhea, c'est quoi Rhea? Attends, Diane a appelé le QG pour parler de quelque chose qui s'appelle Rhea. Diane? No. Hello, Diane. Is it safe to assume you've gotten your emotions under control? My emotions? C'est un truc à faire avec ça, non? Merde, pas du tout. Someone... Seems like a lot is hanging on these inspections. Ces inspections sont cruciales. Passer les inspections. Whatever Typhon was up to, it looks like they've all but gotten away with. Of course, that was Diane's idea. I'm gonna make sure this expansion fails if it's the last thing I do. Ouais. This is the email Diane mentioned. Rhea. Ah, il fallait juste que je clique. Detected. Okay. Was there a second blast that night? Oh. They only had permits for one. No. What did Lena say? Without the scheduled blast, Rhea would be discovered. Shit. The blast that killed Gabe was just c'est super dur en fait, genre we didn't hear another explosion though. It must have gone off somewhere else. If we can find out where it was, that might tell us what it was for. Eh bien, où était ce deuxième site de dynamitage? Ah merde, putain! Alors, c'est quoi Rhea? C'était à dossier. Schéma Rhea. This is Rhea. Voilà, hein. Fuck. This map's too small to tell where this is. I need a map. Il me faut une carte, ok. Let's go. That's the site of the 2008 Typhon mine collapse. Waouh, on enquête, hein. Wait. They set off a blast in their current mine to cover up a blast in their old mine? Pourquoi? That shaft was exhausted years ago. There's nothing left to dig up. Aucun sens. What could possibly be down there that's so important to them? Typhon just had to pass a bunch of inspections at the old site, didn't they? Yeah, so? So, I don't think they were digging something up. They were burying something. Oh! Ah ouais, d'accord, c'est... Ah oui, c'est brutal, hein. Ah oui, j'avais oublié les fins de chapitre, c'est un peu brutal.
Alex a choisi Steph pour occuper Diane. Alex a laissé Charlotte avec sa colère 40. Putain, il y a plus de gens qui prennent la colère de Charlotte. On a rendu Diane triste. On aurait pu la mettre en colère. Bon, on l'a rendu triste. Hein. Ouais, ouais. On n'a pas écouté le disque. Ah merde, on aurait pu écouter le disque. On est un peu désherbé. Ouais. Mm-hmm. Ethan et Alex n'ont jamais été mis KO. Bah oui, hein. Quel talent. Faut vraiment le vouloir, non, pour être mis KO, non. 2% vraiment, Alex ou Ethan, vraiment 2%. Non, t'as pas fait d'effort. Hein. Troll a été dompté par la poudre magique. Il aurait pu être tué au combat ou accepter le pot de vin d'Alex. Ah oui, si je lui avais donné 4 pièces directes. Mais moi, j'ai préféré faire 3 pièces pour la poudre, plus une pièce pour un des parchemins en plus, je crois. Je sais plus, hein. Je ne savais pas que ça se terminait sur ça. Ouais, c'est un peu brutal. Ils préviennent pas. Ah non, ils préviennent pas du tout, là. C'est fin d'épisode, ok. Le serpent a été aussi au combat. Non, le serpent a été endormi. Il va bien. Steph a aidé Alex à découvrir ce que Typhon Maligan sait. Steph est sorti en colère de l'appartement. Oh, pourquoi? Non, elle nous a aidés. Elle aurait pu sortir en colère. Le roi Tabor a été vaincu lors de l'ultime combat. Ah, il aurait pu jurer de venir se venger 0%. Vraiment, tout le monde l'a tué. Hein. Aucune pitié. Riley a découvert la démence d'Eleanor. Oh, elle est pas au courant. Elle aurait pu le découvrir. Oh. Alex a aidé l'étudiante qui se concentrer sur ses révisions, ça oui, on lui a mis la musique. Alex et Ethan ont résolu l'énigme du bouffon, ça oui. Alex et Ethan ont aidé le forgeron dans son travail, oui, on a tout fait. Bah super, hein. Bah c'est tout. Et bien c'est tout. C'était la fin de l'épisode 3 de Life is Strange. YouTube, j'espère que ça vous aura plu, plein de bisous et à très vite pour la suite.